Bien, bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Frédéric Munier, je suis professeur à Askema Business School. Je suis professeur d'histoire et de géopolitique. Je suis ravi, je crois qu'il y a beaucoup d'inscrits aujourd'hui pour cette présentation. Donc, je vous parle alors, je vais vous faire une présentation de Schema Culture, qui est une des composantes du programme d'exécutif online de Schema. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui vous intéresse tous et toutes, j'imagine. C'est la question de l'entreprise face au changement et à la transformation. Alors évidemment, ce sont des thématiques, j'imagine, qui vous touchent tous et toutes. C'était pour ça que vous vous êtes inscrit d'ailleurs. Ce sont des constantes, évidemment, dans notre société. C'est ce que je vais essayer de vous montrer depuis l'entrée en révolution industrielle. Et à ce titre, eh bien, nous vivons aujourd'hui un cycle de changement. Nous vivons tous et toutes, j'imagine vous les premiers, qui est marqué par le règne des nouvelles technologies, de l'information et de l'avènement de nouveaux domaines, donc par exemple l'intelligence artificielle, qui est une figure de proue. Donc la question qui va nous intéresser, je vais faire une petite présentation en 20-25 minutes aujourd'hui, c'est de savoir comment ces transformations, comment ces changements impactent l'entreprise et comment est-ce qu'on peut s'y préparer. Alors pour répondre à cette question qui est difficile, bien sûr, mais j'adopterai une démarche qu'on appelle à Schema une démarche de consilience. C'est un mot qui vient de l'anglais, consalience, qui veut dire la convergence des savoirs. Et j'adopterai donc, pour faire converger les savoirs, vous allez le voir, j'adopterai les points de vue successifs de l'historien, de l'économiste et du sociologue, puisque ce produit a été réalisé en croisant ces apports de professeurs d'histoire, d'économie, de sociologie, afin d'essayer de vous donner un panorama un peu complet sur les visages du changement, de la transformation, et vous montrer aussi peut-être comment eh bien, on peut aujourd'hui s'y préparer. Alors d'abord, je suis professeur et donc j'aime bien définir les notions. Je vais essayer d'abord d'essayer de définir le changement et la transformation. Le changement, on pourrait dire au fond que c'est l'impact sur l'entreprise des innovations techniques, d'une part, mais également des modifications du contexte économique et social. Au fond, c'est ce qui touche l'entreprise en quelque sorte de l'extérieur. Et la transformation, on pourrait dire au fond que c'est le processus par lequel les entreprises cherchent à s'adapter au changement. Et comme nous le verrons, les entreprises cherchent à s'adapter au changement, mais parfois par leurs innovations, puisque les entreprises innovent, elles provoquent également du changement. On est donc dans un mouvement qui est assez complexe aujourd'hui, hein, dans lequel, encore une fois, les changements affectent les entreprises s'y adaptent en se transformant, elles génèrent à leur tour du changement. C'est dans cette spirale que nous sommes un peu aujourd'hui, ce qui rend d'ailleurs peut-être compliqué. Alors, pour ces deux exemples, afin de ne pas rester dans l'abstrait. Si le changement, par exemple, vous voyez ici une slide, vous avez ici une chaîne de montage des usines Ford au début du XXe siècle. Si le changement, par exemple, c'est le moteur à explosion et l'électricité, eh bien alors la transformation, c'est l'usine Ford, l'usine de montage. Ford s'est adapté à ces nouveaux changements, c'est-à-dire la nouvelle donne énergétique. La chaîne de montage est mue par l'électricité, laquelle est produite par l'explosion de moteur à explosion de pétrole. Et donc la transformation, par exemple, du monde du travail, de l'usine, découle d'un changement énergétique majeur. Si le changement, par exemple, eh bien, c'est par exemple l'irruption des nouvelles technologies, alors vous le voyez là, l'entreprise, elle, peut se transformer et on passe de l'usine à des bureaux modernes. Et ici, eh bien, ce que je vous montre, c'est une entreprise qui s'est transformée. C'est le nouveau siège d'Apple en 2017. Donc vous voyez qu'il ressemble presque à tout, sauf à l'image qu'on pouvait avoir d'une entreprise. On dirait, vous voyez, une soucoupe volante posée dans la Silicon Valley. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet, je voulais un peu illustrer ces questions de changement et de transformation. Je voudrais en guise d'introduction commencer par une réflexion d'ordre un peu philosophique. Parce que à la racine de tout changement, de toute transformation, il y a l'homme, bien sûr. Et l'homme, c'est nous, c'est notre condition humaine. Et les entreprises sont des acteurs formés par des hommes. Alors, ce que nous disent, par exemple, les philosophes sur le changement, et ça, dès l'Antiquité, je pense au philosophe qui s'appelait Héraclite, c'est un philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous savez, c'est lui, peut-être que vous connaissez cette phrase, cette célèbre phrase où il dit « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Et ce que voulait dire Héraclite par là, c'est que, évidemment, l'eau du fleuve change, mais nous-mêmes, nous changeons. Et ce que voulaient dire les philosophes dès l'Antiquité, c'est que le changement est quelque chose qui est complètement inhérent à la personne humaine, inhérent à la nature humaine. Nous sommes tous en permanence en changement. Il s'agit d'une métaphore, bien sûr, ce changement, sur le temps qui passe, sur notre transformation à nous, notre changement à nous, et sur le plus grand des changements humains, qui est notre condition humaine, en tout cas jusqu'au transhumanisme et à l'immortalité. Évidemment, la plus grande des transformations humaines, c'est la finitude. Nous y sommes tous confrontés, hommes, femmes, enfants, nous sommes tous soumis au changement. Nous devons nous y adapter, nous devons trouver du sens dans notre vie.
Et finalement, en entreprise, puisque l'entreprise est une communauté humaine, eh bien, l'entreprise est confrontée à ces mêmes situations. D'ailleurs, qu'on y songe un peu, je vous projette en ce moment quelques livres, là, vous le voyez, mais qu'on y songe un peu, l'essentiel de la littérature peut se lire de manière philosophique, comme une réflexion sur le processus de transformation constante qu'est la vie. Finalement, de l'Odyssée d'Homère, qui est avec l'Iliade, les ouvrages les plus anciens dont on dispose, ils ont 3000 ans aujourd'hui, jusqu'à Harry Potter, en passant par Proust et sa recherche du temps perdu, il n'est question que de changement, hein, bien sûr. L'Odyssée, c'est comment Ulysse, eh bien, change, il prend 20 ans, et comment il revient changer en Ithaque. L'Iliade, comment les Achéens, après 10 ans de guerre, reviennent en ordre dispersé. Harry Potter, évidemment, c'est une métaphore sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais encore, c'est du changement. Et quant à Proust, toute la recherche du temps perdu, c'est une réflexion sur le temps qui passe. Au fond, ce que je veux vous dire, c'est que toute l'humanité, toute la condition humaine est orientée sur cette réflexion qui nous touche tous dans notre cadre privé et dans notre cadre, évidemment, donc du travail, quel changement. On y fait tous face, pour le dire autrement. Alors, je vous disais à l'instant, j'ai adopté une perspective de consilience, vous voyez le mot qui s'affiche ici, ce que Stephen Jay Gould, qui est un grand scientifique américain, qualifie de convergence des savoirs. Et pour faire converger les savoirs, je vais vous présenter maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, successivement, à propos du changement et de la transformation, trois perspectives qui vont se concilier, qui vont converger. Vous allez voir, on va avoir à la fin des conclusions quand même assez fortes et convergentes. Une perspective historique autour du changement et de la transformation, à laquelle suivra une perspective économique, et enfin une perspective, disons, sociologique. Alors d'abord, pour l'historien d'abord. Alors je suis historien de formation, donc cette partie c'est pleinement la mienne si vous voulez. Pour l'historien, la question d'entreprise face au changement, eh bien elle ne date pas d'hier bien sûr. À vrai dire, c'est une constante. Vous allez le voir, depuis l'entrée dans la modernité, depuis le 16e, 17e siècle, depuis l'avènement de la modernité économique, on est plongé là-dedans. C'est peut-être pas évident pour nous, mais depuis 4 ou 5 siècles, toutes les entreprises, tout le monde du travail est plongé. Jusque-là, les mutations étaient très lentes. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est pas qu'il y a du changement, il y en a toujours eu depuis 4-5 siècles, mais c'est que le changement est constant, il est rapide, il s'intensifie, et nous avons un peu de mal à nous y adapter. Voilà ce que peut dire l'historien. Alors j'aimerais avec vous revenir sur cela, donc en quelques étapes. D'abord, je vais vous montrer d'un point de vue historique que l'entreprise est le fruit du changement. Et puis, je vous montrerai que l'entreprise est également un acteur de la transformation répondant au changement. Et enfin, je vous montrerai qu'historiquement, eh bien, face au changement, les entreprises qui ont réussi sont celles qui se sont adaptées. Alors d'abord, l'entreprise est fruit du changement. Ce fruit du changement, en fait, est triple historiquement. Qu'est-ce qui a impacté, qu'est-ce qui a changé dans le contexte des entreprises? 3-4 grandes choses. D'abord, le premier, qui remonte au 16e, 17e siècle, c'est l'essor du grand commerce, le grand commerce colonial. Jusque-là, jusqu'au 16e siècle, les marchés étaient locaux, régionaux, parfois nationaux, mais rarement, il y avait des droits de douane au sein de tous les pays. Et à partir du 16e, 17e, ils sont devenus internationaux avec l'avènement du grand commerce colonial, des grandes compagnies, la compagnie néerlandaise des Indes ou la compagnie française des Indes orientales, par exemple. Et donc les marchés se sont ouverts. C'est un prélude, parfois certains historiens considèrent qu'à partir du 16e siècle, on entre dans une première dynamique de mondialisation qui a évidemment radicalement changé l'environnement des entreprises. Le deuxième facteur qui a transformé radicalement notre mode de produire, de penser également, c'est un facteur économique et financier. C'est l'essor du capitalisme à partir du XVIe siècle. C'est un régime d'accumulation de richesses qui permet effectivement eh bien, de conserver de la richesse, de la placer, de déplacer dans le temps eh bien, de la richesse acquise afin de permettre par exemple de financer des projets pour aujourd'hui ou pour demain bien sûr. Ce capitalisme naissant a permis l'essor des grandes compagnies et des premières grandes entreprises. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, savez-vous que la première compagnie qui a été cotée à la bourse, eh bien, c'était la compagnie néerlandaise des Indes en 1602. Les grandes compagnies avaient besoin de capital pour se développer. On entre à ce moment-là, Marx dit que les grandes découvertes inaugurent la biographie moderne du capitalisme, on entre dans une autre époque, époque dans laquelle nous sommes toujours, bien sûr. Au même moment, d'ailleurs, s'est développé le libéralisme, autour notamment, vous le voyez ici, de la figure d'Adam Smith, grand penseur écossais du XVIIIe siècle. Le libéralisme, c'est l'idéologie qui correspond au capitalisme, une idéologie qui met en avant la liberté d'entreprendre, la liberté d'échanger des idées, le libre-échange aussi. Bien sûr. Tous ces phénomènes sont corrélatifs. Dernier phénomène important après l'essor du grand commerce, après l'essor du capitalisme et du libéralisme, c'est la dynamique technique. Le XVIIIe siècle marque l'entrée dans une époque d'industrialisation
une dynamique qui a commencé, si on doit la dater, en 1769, avec l'invention de la machine à vapeur par James Watt, qui a permis la naissance, vous le voyez ici, du chemin de fer, des rotatives vapeur. Avec les rotatives vapeur, eh bien, les premiers journaux bon marché, avec l'apparition des journaux d'opinion publique, et finalement, par exemple, la naissance de la démocratie en Angleterre. Bref, nouvelles sources d'énergie, le charbon, le pétrole, nouveaux moyens de se déplacer, l'automobile, l'avion plus tard, différents nouveaux moyens de diffuser des informations, tout cela a révolutionné depuis 4 siècles la manière de produire. Et en faisant un peu de conciliance, vous allez voir que tout à l'heure, en économie, je vous montrerai que eh bien, des économistes ont donné un cadre conceptuel à ça. Alors, l'entreprise donc fait face et affectée par des changements, vous venez de le voir. Essence du commerce, ouverture des marchés, capitalisme, libéralisme, transformation technique. Mais l'entreprise est également un acteur de transformation, puisque ces changements, eh bien, modifient le monde de l'entreprise, ils sont aussi produits par elle. Entreprise, changement, transformation, tout cela va de pair. Ainsi, les révolutions industrielles ont engendré de très profondes transformations, notamment d'échelle. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que l'entreprise, pour que l'usine, pardon, symbolisée par les hauts fourneaux, succède à l'atelier, que vous voyez ici. Et puis le 20e, pour voir que, dans nos pays en tout cas, eh bien, les usines ont peu à peu cédé la place au bureau. Transformation de taille, donc, dans nos cadres de vie, dans notre temps de travail aussi, bien sûr. Dans la même logique, les entreprises, face aux changements venant de l'extérieur, ont cherché à se transformer de l'intérieur. Elles ont transformé, par exemple, leur mode de production. Au début du XXe siècle, le management moderne est né autour de la figure de Frederick Taylor, qui était un Américain, et vous savez notamment qui encourageait, vous le voyez ici, la division du travail. Henry Ford, quant à lui, a inventé la chaîne de montage, on la voyait tout à l'heure. Plus récemment, ce sera le deuxième terme que vous voyez s'afficher ici, eh bien, les entreprises ont transnationalisé leur production, c'est-à-dire qu'elles l'ont éclatée à l'échelle du globe. On pense à l'iPhone, par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure. De manière générale, si les entreprises s'adaptent au changement, on le voit, elles le produisent donc. Un seul exemple, peut-être, c'est l'exemple du microprocesseur. On pourrait dire que presque la totalité du monde d'aujourd'hui découle d'une innovation et d'une transformation majeure qui est liée à la naissance de l'informatique depuis les années 70. Alors, évidemment, face à ça, on le voit, le changement qui vient de l'extérieur, l'entreprise qui s'y adapte en se transformant, tout ça est facteur de risque pour les entreprises. Les entreprises qui ne s'y adaptent pas, qui ne l'anticipent pas, ou pire parfois, qui ont des difficultés à y faire face. J'imagine que vous aurez d'ailleurs peut-être des questions à ce sujet dans les minutes qui viennent. Alors, parmi les risques évidemment qui se posent à nous, il y a le risque de la disruption, qui est notamment incarné par les économies de plateforme, qui concurrencent aujourd'hui des secteurs bien installés, comme les transports, l'hôtellerie, qui sont profondément disruptés par de nouveaux opérateurs. Ce sont des transformations de l'entreprise, et ces transformations, eh bien, les mettent en concurrence, parfois en affaiblissent en tout cas celles qui fonctionnaient sur des schémas anciens. Ces mutations produisent des peurs, bien compréhensibles évidemment chez nos contemporains. Attention toutefois, vous dira l'historien, évidemment, des enseignes dans le passé ont pu être touchées, mais certaines y sont adaptées. Pensons à une chose, je pense immédiatement par exemple à Hermès, la marque de luxe aujourd'hui. Bon, eh bien, il y a plus d'un siècle, Hermès produisait du matériel pour les chevaux, des selles, des gants, des bottes. Et l'histoire raconte que lorsque M. Hermès a vu les premières voitures débarquer à Paris vers 1900, il s'est dit absolument qu'il fallait qu'il se transforme, qu'il monte en gamme. Et peu à peu, la sellerie est restée aujourd'hui, disons, un domaine de prestige chez Hermès. Mais Hermès, eh bien, est monté en gamme pour se diversifier vers des activités de luxe. Et donc, en fait, l'histoire montre que les entreprises, qui sont des associations d'hommes, de femmes, peuvent et doivent, évidemment, s'adapter au changement. C'est évidemment une des leçons extrêmement importantes que nous donne l'histoire. Hein, les chevaux ont peut-être été évincés par les voitures, mais j'y reviendrai, c'est un grand débat, ça en économie, j'y reviendrai à l'instant d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire que si tout le travail lié aux chevaux, les maréchal ferrant, etc., ont disparu, le travail a disparu. Au contraire, l'industrie automobile a créé 100 fois plus d'emplois que le secteur, évidemment, du transport par cheval. Ça, c'est un premier aperçu, l'aperçu de l'historien. Qu'est-ce que vous direz alors, deuxième aperçu, l'économiste au sujet du changement? L'économiste vous dira d'abord que lui considère l'entreprise, plutôt que l'histoire de l'entreprise comme historien, l'économiste considère l'entreprise comme une organisation microéconomique, productrice de biens, de services, qui sont destinés à un marché de consommateurs. Elle est de fait eh bien, un acteur clé de la transformation économique et elle influence la croissance sur le long terme, bien sûr. L'entreprise est également soumise, je viens de vous le dire à l'instant, à des pressions constantes et l'économiste vous dira qu'elle s'adapte sans cesse au risque de disparaître peut-être. Alors, pour le point de vue de l'économiste, je vous montrerai trois choses.
vous montrerai d'abord que l'entreprise est au cœur, est un acteur de ce que les économistes appellent la destruction créatrice. Dans un deuxième temps, je vous montrerai que l'entreprise, eh bien, se trouve sous la pression incessante du changement liée à la destruction de pans anciens de l'économie et à la création de pans nouveaux. Elle est donc menacée par la destruction de l'ancien, mais elle est également menacée, eh bien, par l'arrivée de nouveaux acteurs. Et puis enfin, je vous montrerai, d'un point de vue peut-être un peu plus chiffré, un petit peu plus illustratif que durant le point de vue précédent de l'historien, que l'entreprise a au fond trois solutions face au changement: s'adapter, se transformer par exemple en montant en gamme, ou disparaître. Alors, une chose d'abord, ce que vous dira l'économiste que vous a pas dit l'historien, il vous dira que derrière l'entreprise, il y a énormément d'économistes qui ont réfléchi à la question de ce qu'était l'entreprise, de la manière dont elle fonctionnait, dont elle révolutionnait le processus productif, et parmi eux, c'est probablement l'économiste que vous voyez s'afficher sur votre écran ici, Joseph Schumpeter, vous voyez donc qui a vécu au tournant du 19e et du 20e siècle. Il était autrichien de naissance, mais il a fini professeur à Harvard, il y a pire comme destin. C'est l'économiste Schumpeter qui, le premier, eh bien, a cherché à comprendre, à mieux comprendre les dynamiques du capitalisme contemporain à travers le rôle de l'entreprise. C'était sa grande affaire, essayer de comprendre quel rôle jouaient les entreprises. Selon lui, alors vous voyez ici le mot qui s'affiche, selon lui, l'entreprise se caractérise avant toute chose par sa capacité à innover. Et pour lui, l'entrepreneur est avant tout un innovateur. Alors, inutile d'aller chercher 4000 exemples, il me semble que l'exemple de Steve Jobs est peut-être avec Apple le plus important. Vous savez peut-être que Steve Jobs disait « Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, je vais leur présenter un produit nouveau, ils vont le désirer. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un téléphone avec écran plat, évidemment ça n'existe pas encore. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une tablette, évidemment ça n'existe pas encore. Et nous, Apple, on va innover. » Et vous voyez ici la gradation, le dégradé, de ce que c'est que l'innovation, c'est-à-dire proposer de nouveaux produits. On pense par exemple à l'écran plat, de nouveaux procédés, par exemple imaginez les applications, de nouveaux modes d'organisation. Là ici, ce sont plutôt des innovations managériales. L'entreprise, selon Schumpeter, vous voyez, et Steve Jobs en a un excellent exemple, est le lieu de l'innovation. Alors je parlais à l'instant de l'iPhone parce que c'est peut-être la meilleure illustration, et c'est une deuxième idée forte de Schumpeter. Donc pour Schumpeter, l'entreprise, c'est l'innovation. Et ce que dit Schumpeter aussi, c'est que l'innovation, en fait, est toujours plurielle. L'innovation ne surgit pas seule. Les innovations, selon Schumpeter, surgissent par grappes. Il emploie cette expression dans ses ouvrages, des grappes d'innovation. Ici, vous le voyez apparaître un smartphone, et nous savons tous intuitivement, eh bien, qu'un smartphone, c'est le résultat d'une grappe d'innovation qui associe, par exemple, un processeur, des processeurs extrêmement rapides. C'est un des grains de la grappe, ou un des raisins de la grappe, si vous voulez. Donc, processeur extrêmement rapide, de la mémoire flash, petite, dense, importante, un écran tactile, grande nouveauté, bien sûr, et puis des applications. Au fond, la grappe, encore une fois, processeur, mémoire, écran tactile et application, donne l'iPhone. On pourrait faire la même chose à la fin du 19e pour le moteur à explosion, les freins, la batterie, si vous voulez, c'est un petit peu plus artisanal peut-être, mais c'est une grappe d'innovation qui permet l'automobile. Le fait, dit Joseph Schumpeter, c'est la troisième idée. Donc la première idée, vous l'avez compris, c'est que l'entreprise innove. La deuxième idée, c'est que les innovations surgissent par grappes. Et sa troisième grande idée, eh bien, c'est que lorsqu'une grappe d'innovation donne un nouveau produit, l'iPhone par exemple, eh bien, elle opère de la destruction créatrice. L'iPhone a détruit, par exemple pour le faire court, Apple en quelque sorte a détruit Nokia. Les téléphones qui nous semblaient le nec plus ultra il y a 20 ans sont devenus quasiment du jour au lendemain obsolètes. Nokia, par exemple, n'a pas cru à l'écran plat et est resté sur du tactile. Certains pans de l'économie qui ne s'adaptent pas ont disparu, c'est de la destruction. Mais, dit Schumpeter, cette destruction est créatrice. De même que, par exemple, la destruction des emplois liés aux chevaux en ville à la fin du 19e a disparu, eh bien, il s'est créé, évidemment, tout un secteur autour de l'automobile, qui va de l'automobile elle-même, à sa pub, au marketing, au parking, aux stations essence, à la production d'essence, etc., etc. C'est probablement l'idée la plus importante de Schumpeter, et pour vous qui travaillez en entreprise, une idée qui peut-être parfois un peu angoissante, mais qui doit en même temps être rassurante, c'est l'idée que certes, les innovations détruisent des pans, mais ils créent également de l'activité nouvelle. Et aujourd'hui, une de nos difficultés d'ailleurs, c'est que nous pouvons parfaitement reconnaître et voir les secteurs qui sont détruits, mais on a encore du mal à voir ceux qui vont être créés. Et il y en aura historiquement
il y en a toujours eu. On n'imagine pas un monde sans travail. Ce que je voulais vous montrer par exemple, eh bien, c'est que un exemple de destruction créatrice que vous voyez là, eh bien évidemment, c'est la fin des attelages qui ont été remplacés par l'automobile. Imaginez une chose, on nous annonce aujourd'hui par exemple la fin des automobiles thermiques pour 2040. Ça nous paraît court ou pas, une vingtaine d'années, mais songez qu'à Paris, il a fallu seulement 10 ans au tournant du 19e et du 20e pour que le chevau disparaisse totalement et soit remplacé par des automobiles. Ça a été extrêmement vite et ça a été créateur d'énormément d'emplois. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne veux pas seulement vous parler du passé, l'économiste vous dirait aujourd'hui que des emplois comme ceux de data miner, concepteur d'applications, social media manager, eh bien, tous ces emplois n'existaient pas il y a 15 ans. Les emplois aujourd'hui sur lesquels il y a le plus de demandes, plus d'augmentation de demandes en pourcentage, sont des emplois qui n'existaient pas il y a 15 ans. Et voilà pourquoi nous pouvons presque anticiper le fait que d'ici 10 ans, eh bien, c'est-à-dire lorsque par exemple mes étudiants sortiront de schéma, ils auront des emplois qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et voilà pourquoi on doit les préparer, c'est aussi pour ça que vous êtes venu, j'imagine, sur une plateforme d'Exed. Voilà pourquoi on doit sans cesse essayer, si vous voulez, de se mettre à jour soi-même pour pouvoir coller le plus possible avec agilité aux changements qui viennent. C'est absolument fondamental. Alors évidemment, l'une des questions qui se pose aujourd'hui est de savoir si les emplois détruits que nous voyons seront compensés par des emplois créés. C'est une question sur laquelle, si vous voulez, je vous propose de revenir peut-être sous forme de questions parce qu'elle ouvre énormément de débats. L'entreprise, je vous le disais également, est sous la pression du changement aujourd'hui, vous dira l'économiste. Et beaucoup de facteurs font qu'aujourd'hui nous sommes sous pression. Je vous ai dit tout à l'heure en tant qu'historien que la pression ancienne venait de l'ouverture des marchés au 17e, de la naissance du capitalisme. Mais aujourd'hui, vous dira l'économiste, ce qui bouleverse l'entreprise, évidemment, c'est plusieurs mutations de grande ampleur. La première, évidemment, c'est la mondialisation. Le fait que les capitaux se déplacent de manière instantanée, le fait que les marchés s'ouvrent, que nos entreprises sont de plus en plus ouvertes à la concurrence internationale, évidemment, ce qui les pousse évidemment à s'adapter. Le deuxième facteur, évidemment, qui fait que l'entreprise est sous tension, c'est que le citoyen consommateur, lui aussi, exerce des pressions aujourd'hui. Il attend d'entreprise qu'elle lui offre des produits de qualité, à bas prix, mais qu'elle adopte également un comportement extrêmement vertueux. De fait, l'entreprise aussi est soumise à des injonctions qui, par lesquelles elle doit se montrer à la fois responsable, sociale, éthique. C'est la RSE que nous connaissons tous et toutes, sous peine parfois de boycott de la part des consommateurs et même des investisseurs. Et puis, il y a également des injonctions de l'État. C'est lui qui, au travers de politiques économiques, fiscales, de politiques normatives, incite les entreprises à se transformer. D'ailleurs, au passage, et vous devez le vivre, l'État a souvent une attitude un peu ambivalente. D'un côté, il souhaite des entreprises plus dynamiques, plus créatrices d'emplois, mais de l'autre, il est également producteur de réglementations dont je suis persuadé, certains d'entre vous trouvent qu'elles sont parfois un peu contraignantes, bien sûr. Alors, nous savons tous que la majorité des entreprises ne peut survivre sans générer de profit. C'est une évidence, la première raison d'être de l'entreprise, c'est de créer de la valeur, bien sûr. Mais malheureusement, certaines entreprises n'ont pas les moyens de s'adapter, de résister au processus de destruction créatrice. Dans ce cas-là, ça veut dire que leurs biens, leurs services ne sont plus nécessairement en adéquation avec les attentes du marché, les désirs des consommateurs ou les nouvelles normes, imaginons environnementales, par exemple. On peut penser aujourd'hui aux petits magasins de proximité que vous voyez là, les petites boutiques. Donc vous voyez dans les centres-villes qu'elles disparaissent. Souvent, on profite des shops un peu plus à la mode ou au contraire eh bien, de grandes enseignes. Cette phase de transition est évidemment douloureuse pour ceux qui la subissent. Mais, fort heureusement, l'entreprise peut s'adapter, par exemple en modifiant son offre, pour relancer sa demande. Pour cela, elle peut baisser ses coûts. Alors, je vous donne un seul exemple. Vous savez que Tim Cook, aujourd'hui, bien précisément, a succédé à Steve Jobs. Et peut-être le savez-vous, mais Tim Cook a été l'homme qui, il y a 20 ans, a décidé eh bien, de faire produire le matériel Apple. À l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, c'était des ordinateurs, de le faire produire en Chine. Et en jouant sur les avantages compétitifs de la Chine, il a permis de faire baisser relativement le coût du matériel, d'augmenter aussi sensiblement la marge d'Apple. Et d'ailleurs, la presse nous annonçait il y a 2 jours que Apple allait commencer à délocaliser une partie de sa production vers l'Asie du Sud-Est pour quitter la Chine. Alors, c'est une première possibilité. Les entreprises peuvent abaisser leurs coûts. Elles peuvent monter en gamme. Je vais vous donner un autre exemple qu'on connaît tous et toutes, surtout si vous avez des enfants. Vous avez peut-être été sommé de leur acheter des consoles. On est tous passés par là. Nintendo, par exemple, voilà une firme japonaise qui, au début du XXe siècle, produisait ou fabriquait des cartes, des jeux de cartes. Et face à la concurrence, eh bien, Nintendo est montée en gamme. Des cartes, elle est passée aux petits jeux électroniques des années 70-80 et puis à la console pour devenir aujourd'hui le grand groupe d'entertainment, de divertissement que vous connaissez. Voilà un exemple de montée en gamme progressive.
L'entreprise peut décider de se transformer au travers du redéploiement de ses ressources, en quittant certains métiers, en développant de nouvelles compétences, bien sûr, ce sont des adaptations. C'est par exemple le cas de La Poste en France. Même de très grands groupes font ça. La Poste, historiquement transporteur de colis, eh bien aujourd'hui commence à développer une activité de service à domicile sur les territoires, bien sûr. Alors pour cela, évidemment, ça nécessite une refonte de l'organisation, des fonctions, métiers également. Bref, ce que je vous dirais en conjoignant, en conciliant l'optique historique et économique, c'est qu'on ne peut pas échapper, eh bien, au phénomène de changement, à la destruction créatrice. On ne peut pas arrêter le temps, on ne peut pas arrêter l'informatique, on ne peut pas arrêter le moteur à explosion, on ne peut pas arrêter aujourd'hui l'Internet. Mais on peut, au moins, et là l'histoire et l'économie le montrent, anticiper ces transformations pour essayer de réagir au mieux, d'en limiter les effets. Et pour cela, ça nécessite, et là on est dans les questions RH, la collaboration de tous les acteurs de l'entreprise autour d'un projet clair. Dernier point de vue maintenant, et puis évidemment je répondrai avec beaucoup de plaisir à vos questions si vous en avez, c'est le point de vue du sociologue. Alors l'historien, lui, est attentif au déploiement de l'histoire d'innovation dans le temps. L'économiste est sensible, lui, à l'entreprise comme production d'innovation. Pour le sociologue, l'entreprise, elle, c'est un troisième point de vue, mais vous voyez qu'il complète les autres, l'entreprise s'appréhende comme une organisation humaine, en étroite relation avec son milieu. Elle est à la fois un lieu de production de richesse, bien sûr, mais elle est peut-être pour le sociologue plus encore une communauté d'individus. Et à vrai dire, j'imagine qu'au quotidien, les uns les autres, nous vivons l'entreprise comme cela. On rencontre des collègues au travail, à la machine à café, le matin, le soir, bon, bref. On est dans l'humain, bien sûr. Alors le rapport au changement est complexe, évidemment. Le sociologue vous dira, comme l'économiste et l'historien, que l'entreprise est acteur de transformation, qu'elle subit parfois les changements. Et aujourd'hui, les sociologues ont tendance à se demander si elle n'est pas de plus en plus soumise au changement. Alors, je vous montrerai donc trois choses du point de vue sociologique. C'est d'abord que l'entreprise est un lieu de rationalisation. Je vous montrerai dans un deuxième temps qu'elle est vraiment une communauté humaine, bien sûr. Et puis, dans un troisième temps, je me demanderai peut-être, eh bien, si l'environnement aujourd'hui n'est pas roi et si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles parfois nous pouvons éprouver parfois des difficultés au travail. Parce que nous avons l'impression d'être sous l'injonction, en fait, évidemment, de l'extérieur, de plus en plus. Alors, l'entreprise est un lieu de production, bientôt, bien sûr. Pour produire, il faut des managers qui organisent la production. Et les sociologues mettent en avant le fait que la production, que le management actuel, le management des hommes, eh bien, doit beaucoup, en fait, au secteur militaire. Le pionnier du management en France, d'ailleurs, l'homme qui a introduit le mot management, c'est un mot qui vient du français, hein, d'ailleurs. Si vous savez ça, mais l'étymologie de management est la même étymologie que ménagère. La ménagère s'occupe de sa cuisine et le manager, eh bien, s'occupe de son entreprise, en fait. Hein. Ça vient du vieux français manager, qui veut dire s'occuper d'eux. On a un mot qui a quasiment disparu du français, qui est resté en anglais, to manage, et qui est revenu par l'intermédiaire de Frédéric Taylor, 1907, Principles of Management. Et Taylor, eh bien, a été lu et introduit en France par un Français, Henri Fayol, qui a écrit donc son grand manuel de management en 1916, c'est-à-dire en pleine Première Guerre mondiale. Et pour Fayol, le pionnier du management français, eh bien regardez les mots qui s'inscrivent que vous avez sous les yeux, eh bien le modèle du management avec sa hiérarchie, N plus 1, N plus 2, etc., sa hiérarchie de commandement, et ses mots-clés provient en fait du vocabulaire militaire. Le manager, selon Fayol, doit prévoir, organiser, commander, comme le général, coordonner, contrôler. C'était les principes, ce sont les principes qui ont organisé le management jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble, dans les 2-3 minutes qui viennent, qu'aujourd'hui, on est en pleine transformation managériale, car précisément, ces principes qui fonctionnent bien dans le cadre d'une entreprise, par exemple nationale, dans un environnement avec peu de concurrence, dans lequel il doit y avoir une gradation de l'information et de la prise de décision, ce modèle militaire fonctionne bien. Aujourd'hui, il est plus en difficulté dans ce cadre de changement, où l'entreprise doit s'adapter à une forte concurrence, à un contexte international changeant. Dans ce schéma, dans le schéma ancien, dans celui que Fayol développe, vous le voyez peut-être, eh bien, l'humain, dans ce schéma-là, n'était pas la ressource principale. L'humain était un moyen. La fin, c'était la production, produire la force de T. Ce modèle d'entreprise puissante, solide, s'est développé en Europe à la fin du 19e siècle, et aujourd'hui encore, on le trouve dans des pays émergents. Pour vous donner un seul exemple, j'étais avec Skema le mois dernier en Ouzbékistan. Nous avons emmené des étudiants. Nous sommes allés dans une usine. Nous avons vu une chaîne de montage et il y avait, eh bien, précisément au fond de l'usine, une grande citation d'Henry Ford qui mettait en avant le travail à la chaîne. Aujourd'hui, les pays émergents le font.
Alors évidemment, je vous disais aussi que l'entreprise est une communauté humaine. Le modèle que je viens de vous décrire a une forme d'efficience, mais nous savons tous et toutes qu'il trouve ses limites, car l'humain est fatigué par ce type de travail. Ses limites, c'est quoi? Le turnover, l'absentéisme, le désengagement de manière générale des collaborateurs. Dans les pays occidentaux, vous voyez un nom qui s'affiche, ce constat que ce management, disons, un peu militaire, si vous voulez, traditionnel, engendre des dégâts humains. Ce constat a été établi par un professeur d'Harvard, australien de naissance, il s'appelait Elton Mayo, vous avez son nom ici, hein, 1880-1949. Mayo, le premier, c'est le père des ressources humaines, en fait. Hein, c'est l'un des premiers théoriciens des ressources humaines. Les gens qui font des RH parmi vous, j'imagine, avaient déjà entendu ce nom. Et il est le premier à avoir démontré par l'expérience qu'un salarié qui se sent reconnu, impliqué dans la démarche de l'entreprise, eh bien, est plus productif. Alors, avec Mayo, il y a eu un changement radical. Jusque-là, l'humain était un facteur de production parmi d'autres, et eh bien, il devient une richesse. Et c'est à ce moment-là, à la fin, au milieu du XXe siècle, eh bien, que le directeur du personnel est devenu le directeur des ressources humaines. C'est un changement important. De fait, le rapport de l'entreprise à ses collaborateurs, eh bien, s'est transformé. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui favorisent une perspective, un aplatissement de la hiérarchie, où l'on passe, comme vous le voyez, d'une hiérarchie top-down, un aplatissement relatif de la hiérarchie, où l'information passe, c'est censé permettre plus d'agilité, plus de prise de décision. J'avance. Autre exemple de transformation, d'adaptation, évidemment, aujourd'hui, vous dira le sociologue, les lieux de travail. C'est pas seulement la manière, pas seulement la hiérarchie, mais les lieux. On pense à l'open space aujourd'hui, qui est censé favoriser le travail en équipe, en venant à bout des cloisons étanches. C'est également la possibilité qu'on, et vous en bénéficiez peut-être aujourd'hui, j'espère en tout cas, que l'entreprise a d'encourager ses salariés à s'éduquer de manière continue, à également, vous voyez, à se détendre. Hein, nous avons une irruption aujourd'hui du loisir dans le monde du travail et à s'occuper de quelque chose qui est complètement nouveau. Ça date de 2012, le concept de qualité de vie au travail. C'est désormais la tâche du DRH que de faire en sorte que les salariés s'adaptent eux-mêmes. Et d'ailleurs, nous voyons au fond l'entreprise aujourd'hui dans un monde post-industriel, vous le voyez apparaître, de plus en plus cette entreprise qui est passée d'entreprise traditionnelle à la grosse boîte, eh bien, doit accompagner les évolutions évidemment de notre monde. Alors pour finir, eh bien aujourd'hui dans une économie du savoir hyper concurrentielle, mondialisée en voie de digitalisation, le changement semble imposer sa cadence. C'est en tout cas comme ça, le montrent les sociologues, que la plupart des collaborateurs le ressentent. Les besoins de réactivité, d'adaptabilité sont incessants. Ils ont des conséquences considérables. L'un des impacts les plus frappants concerne les frontières de l'entreprise qui tanguent aujourd'hui sous l'effet des nouvelles technologies. Nous avons tous du travail à la maison. Nous sommes tous joignables en permanence. Inversement, il nous arrive souvent de réserver une place de cinéma depuis notre lieu de travail. La perméabilité entre les espaces de travail, de loisirs est devenue une des problématiques de la période contemporaine. Dans ce cadre, par exemple, le modèle des startups qui allie souplesse, innovation, qui évolue au rythme de la finance, s'est érigé en modèle. Et de fait, ce modèle a tendance à déprécier les formes d'organisation traditionnelles, donc des grandes entreprises traditionnelles qui doivent s'adapter. Alors évidemment, tout cela pose un certain nombre de problèmes et de questions. À l'échelle des collaborateurs, ce sont des enjeux qui sont reposés, comme l'enjeu de la fidélité, de la confiance, de l'engagement. Ils sont questionnés par ces transformations en cours, qui conduisent peut-être à altérer parfois la stabilité de la relation avec le travail, on n'a plus de travail à vie, ou de la relation avec sa tâche, on travaille de plus en plus par mission, et de moins en moins sur une tâche sur 10, 20, 30 ans, bien sûr. De même, ces transformations remettent en cause les représentations de la culture de l'entreprise. Auparavant, les entreprises développaient un esprit de une culture d'entreprise qui était censée être immuable. Aujourd'hui, elles subissent le contre-coup du changement. Bref, dans ce nouveau paradigme, toutes les entreprises ne sont pas à la même enseigne. Les pistes de réponse, évidemment, sont multiples. Mais in fine, peut-être vous les connaissez mieux que moi, je suis en train d'exposer un cadre ici. In fine, il s'agit bien d'articuler la technologie, la gestion, les compétences pour mieux relier les performances économiques, sociales et bientôt environnementales. Alors, pour finir, je vais passer à vos questions tout de suite. Ce que j'ai voulu vous montrer dans ces trois perspectives, historique, économique et sociale, évidemment, chacune a son point de vue. L'historien vous racontera l'histoire du changement. L'économiste essaiera de voir en quoi ce changement est inhérent à la structure de production. Le sociologue mettra l'accent sur les implications pour les collaborateurs. Mais vous le voyez, tous et toutes nous délivrent, au fond, deux messages. Le changement est là, il est inhérent. Nous devons nous y adapter par la transformation.
laquelle génère elle-même du changement. Mais tout ce que montrent ces trois perspectives, et on pourra en reparler, c'est que le travail subsiste, nous sommes des activités, nous sommes des sociétés humaines, et les entreprises, jusque-là, et le monde, a toujours trouvé des solutions aux problèmes qui étaient au-devant d'elles, et qui, peut-être à juste titre, faisaient peur, mais nous sommes toujours là, bien vivants, et je ne pense pas que le travail va disparaître. Je vous remercie pour cette demi-heure passée ensemble, et si vous avez des questions, je crois que Céline eh bien, les a réceptionnées et devrait les répercuter. Oui, merci Frédéric. Merci. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. En effet, si vous avez des questions, on vous laisse un petit peu de temps. Vous avez un onglet qui se trouve sur la droite de votre écran. N'hésitez pas, nous sommes là pour y répondre. Je vous laisse une petite minute. Si. Voilà. Donc, alors je crois qu'il y a des questions qui arrivent. Oui, voilà une première question, une première Frédéric. Question. Oui. Comment rassurer les collaborateurs d'une entreprise en mutation? Comment rassurer les collaborateurs d'une entreprise en mutation? Alors, c'est évidemment l'une des grandes questions. Il nous arrive souvent, il y a des personnes qui sont autour de moi, tout le monde sourit, évidemment, parce que c'est une des grandes questions. Alors, les entreprises qui inaugurent, par exemple, des programmes de transformation, par exemple, parce que les métiers changent, celles qui réussissent sont des entreprises qui font des travaux de fond, dans lesquels il y a une sensibilisation organisée par les RH, voire même la direction, qui anticipe en faisant des formations pour acculturer les gens. L'idée, si vous voulez, si on veut moins sécuriser le personnel, c'est de le faire grandir en compétences, de l'assurer que le programme de transformation eh bien, est en cours, qu'évidemment qu'il va laisser le moins de personnes possible sur le côté, encore une fois, en mettant l'accent sur le fait que la démarche est collective. Nous sommes passés avec Schema récemment dans de très grandes entreprises comme ça, qui ont initié des démarches de transformation, par exemple d'aplatissement de la hiérarchie, et qui ont bien montré, et c'était le truc, que l'aplatissement de la hiérarchie n'était pas en fait une sorte de cache-sexe pour en fait éliminer des collaborateurs dans la pyramide, mais bien un nouvel état d'esprit qui permettrait de répondre davantage à la concurrence. Je crois que c'est vraiment tout le défi d'aujourd'hui, de montrer que ces questions nous font peur bien sûr, mais qu'encore une fois, eh bien, l'entreprise ne les prend pas en pleine figure, pas seulement l'expression, mais les anticipe et organise en interne des programmes de transformation, montée en compétences, accompagnement, et puis donne un horizon aux salariés, encore une fois, en termes de transformation. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? Si votre travail est impacté, quelles compétences peut-on vous donner si vous voulez rester chez nous? Ou quelles compétences peut-on vous donner si vous décidez de faire autre chose, si vous voulez? Et ça, c'est important. On en vient souvent à l'idée qu'aujourd'hui, une entreprise, eh bien, quand elle forme ses salariés, elle doit les former pour qu'ils gagnent de la compétence en interne, mais elle doit aussi pouvoir les former afin que si le salarié souhaite, ou le collaborateur souhaite changer de métier, voire même de quitter l'entreprise, il y ait avec lui un package, en quelque sorte, de compétences qui permettront de rebondir. On en vient toujours à l'idée qu'aujourd'hui, c'est davantage la personne qu'il faut protéger et doter de compétences que son travail en particulier. Puisque dans des structures où le travail devient plus fluide, l'activité, les travaux change incessamment. Moi qui suis enseignant, jamais je ne me serais vu il y a 10 ans animer un webinaire devant vous. On a dû créer des compétences, suivre une formation. Ça n'a rien d'évident de parler devant, par exemple, une caméra. C'est un micro-exemple. Frédéric, il y a de nombreuses questions. Voilà, j'en propose une de la part de Yuna. Est-ce que Bonjour, finalement Yuna. Le changement n'est pas retardé par l'hypercommunication? Est-ce que le changement n'est pas retardé par l'hypercommunication? Alors oui, j'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est pas faux. Je crois qu'en fait, le changement est retardé derrière l'hypercommunication par les gens eux-mêmes. Je veux dire, il faut toujours, l'historien vous dira la chose suivante. Il y a plein de choses qu'on peut faire techniquement. Par exemple, on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de vendeurs dans la plupart des magasins. On pourrait faire ça techniquement. On pourrait avoir une borne avec un vendeur, avec en fait un pool de vendeurs à 500 km qui vous regarderait en train de regarder un produit et puis qui vous communiquerait des informations. Mais ce n'est pas parce qu'on peut faire les choses techniquement qu'il y a une acceptation sociale. Et donc, quand Yuna dit « Est-ce que les changements ne sont pas retardés en quelque sorte par l'hypercommunication ?» Je crois qu'on a tous très peur du changement et que, humainement parlant, on cherche, quand on peut, évidemment, à le retarder ou en tout cas à l'organiser. Les entreprises aussi, qui peuvent par exemple avoir une difficulté stratégique à voir ce qui va changer,
communique sur le changement sans bien voir ce qui se passe. Et on est tous dans ce brouillard. Les militaires appellent ça le brouillard de la guerre. C'est quand vous êtes sur le terrain et qu'il y a de la poussière partout, on sent tout ce qu'on est dans la bataille, mais on ne voit pas ce qu'il y a en face. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que la plupart des entreprises sont dans une sorte de brouillard de la transformation et du changement. On sent tous que les choses vont changer. On entrevoit encore mal dans certains secteurs ce qui va changer. Alors on en parle parce qu'on est des êtres humains et que lorsqu'on a un peu peur des choses, on parle. Alors, bien sûr, Yuna a raison, mais en même temps, je crois que c'est à deux niveaux. On parle beaucoup du changement sans voir ce qui se passe. Il y a aussi une autre raison, je pense qu'il y aura d'autres questions dessus, c'est qu'en fait, entre les pronostics qu'on nous faisait il y a quelques années, de destruction d'emplois, et puis ce qui se passe, on s'aperçoit qu'en fait, eh bien, il n'y a pas autant d'emplois qui disparaissent que ce que l'on imaginait. Je vous donne un seul exemple. On nous pronostiquait que le secteur, par exemple, du transport allait être complètement automatisé. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une pénurie de conducteurs de poids lourds. On n'arrive pas à en trouver. De même, il y a une étude très célèbre en 2013 faite par deux économistes de Cambridge, Frey et Osborne, qui disaient que quasiment 50% des emplois pourraient être amenés à disparaître très vite. Une étude a été faite en 2018, 5 ans après. Elle a montré que tous les emplois que pointaient Frey et Osborne, qui pouvaient être automatisés, non seulement n'avaient pas disparu, mais se portaient très bien. Évidemment, il y aura des transformations, mais le temps des humains, les humains font de la résistance et c'est normal, le temps des humains, eh bien, recule en quelque sorte ces changements et c'est une bonne chose, ça nous permet de les accompagner. Voilà, il y a de nombreuses questions qui apparaissent. Nombreuses questions. Oui, Diane Diane, demande, voilà, bonjour. bonjour et merci pour cette conférence. La transformation digitale répond à quel ou quels changements au pluriel? Alors, la transformation digitale, aujourd'hui, elle provient, c'est une très bonne question, hein, elle provient d'une grappe, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la transformation digitale que nous avons sous nos yeux, via l'ordinateur, via Internet, les visioconférences, etc., elle provient en fait d'une grappe qui associe trois éléments. Un élément qui est l'intensification du calcul des processeurs, un deuxième élément qui est l'extension absolument incroyable de la mémoire. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut retenir tous vos mails depuis des années. Et puis la troisième chose, c'est l'algorithmique. Et quand on associe une vitesse de calcul prodigieuse, une mémoire considérable et de l'algorithme, eh bien on entre dans la transformation digitale. Alors ça, c'est un autre parcours d'ailleurs que nous avons créé à Schema Culture autour de l'intelligence artificielle. Ce qui se passe là, c'est que demain, très probablement, et ça c'est le sociologue qui vous le dirait, nous allons devoir être formés au travail pour avoir avec nous des assistants intelligents, entre guillemets, des IA, qui nous permettront d'anticiper des choses, dont on prendra le conseil, par exemple, et nous allons travailler différemment. Comme il y a 20 ou 30 ans, eh bien, dans les banques, on est passé de l'inscription des chèques papier, au passage à l'ordinateur, bien sûr. Ça va demander évidemment, une adaptation de notre part. Voilà un petit peu en quelques mots ce que je peux vous dire. J'ai une question de Delphine Delphine, bonjour. sur la question des Je vous entends emplois pas, mais je vous dis détruits. bonjour quand même. Pardon, je t'en prie, vas-y. Sur la question des emplois détruits, mais a fortiori compensés, comment anticiper leur évolution pour être toujours à la page? Je crois que si j'avais cette réponse, j'ouvrirais un cabinet privé et je vous ferais payer la réponse très 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 cher. Comment anticiper les emplois qui vont se détruire? Comment anticiper les emplois qui vont se créer? Ah, c'est le Graal, bien sûr. C'est très difficile. Je vais vous dire, je vais vous répondre autrement. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a cette fameuse étude Frey Osborne. Donc, c'est des gens de Cambridge, des économistes mondialement célèbres, et ils se sont plantés. En tout cas, ils avaient anticipé une destruction très très rapide, ce qui n'a pas eu lieu. Ça veut dire une chose, ça veut dire que si les meilleurs aujourd'hui se plantent sur des prédictions, avec des études extrêmement sérieuses, hein, qui sont chiffrées, etc., nous-mêmes, nous avons du mal à anticiper ce qui est en train de se passer. Alors, il y a des secteurs dans lesquels on sent bien, par exemple, vous et moi, j'imagine, nous allons tous et toutes un petit peu moins dans les agences bancaires qu'auparavant. Nous avons le téléphone et on vire notre argent, ce genre d'opérations. Il est évident qu'on voit des secteurs qui vont être impactés. Et ça veut dire aussi une chose. Ça veut dire que, par exemple, les banques vont devoir, par exemple, mettre l'accent sur la relation client. Parce que je peux éventuellement passer par un logiciel pour transférer de l'argent, virer à mes enfants, c'est une chose. En revanche, pour des choses qui vont engager ma vie, un appartement, un prêt, etc., j'ai besoin de voir quelqu'un. Je ne ferai pas ça avec un ordinateur. La relation personnelle, je pense que si on s'en sort par le haut, par exemple, le passage à l'intelligence artificielle, qui va peut-être détruire des emplois qu'on peut facilement automatiser, si on est intelligent collectivement, il va permettre de nous focaliser sur ce que l'homme sait faire de mieux, de plus que la machine,
qui va être l'intelligence humaine, le rapport humain, etc. D'ailleurs, on voit de plus en plus en entreprise des formations, pardon, des emplois d'accompagnement qui sont en quelque sorte dans l'humain. Il y a des livres très célèbres qui sortent en ce moment sur ce qu'on appelle les bullshit jobs. Ils voient l'arrière-fond de cela, ils voient des emplois effectivement peut-être dénués de sens, mais tout l'enjeu aujourd'hui, on a une véritable ressource humaine comme collaborateur dans les entreprises, c'est d'investir encore une fois l'humain. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire collectivement. Une autre question, est-ce que finalement le knowledge management, le vrai, n'est pas une des solutions pour mitiger les risques liés au changement, rendre l'entreprise plus agile et donner un sentiment de sécurité plus fort aux collaborateurs? Oui, alors le knowledge management, c'est vrai, vous avez raison, on l'enseigne maintenant dans toutes les écoles de management. C'est un moyen, c'est probablement un moyen important, de sensibiliser donc les jeunes étudiants aujourd'hui, les cadres et les managers aujourd'hui, sur l'importance effectivement du savoir. On est entré dans les économies de la connaissance. Vous me permettrez peut-être d'ajouter quelque chose, et je ne pense pas plaider pour ma paroisse spécifiquement, je vous ai dit que j'étais historien, mais je crois que dans le monde qui vient, on va avoir besoin de collaborateurs qui font ce que les machines encore ne savent pas faire, c'est-à-dire croiser les savoirs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai adopté une perspective de consilience. Lorsque nous parlons avec des gens, nous parlons à un collaborateur qui a des compétences, on parle aussi à un être humain, bien sûr, nous sommes multidimensionnels. Il va falloir approfondir, on appelle ça parfois les soft skills, ça me paraît, pourquoi pas, mais approfondir toute la donnée des humanités, si vous voulez, des humanités traditionnelles, mais des humanités numériques aussi. Encore une fois, je crois que la vraie richesse de l'entreprise, c'est ce qu'on ne peut pas procéduraliser en quelque sorte, c'est l'humain, c'est l'innovation, c'est l'agilité. Ça veut dire aussi que dans les processus de transformation éducatifs, dans les processus même d'éducation, d'enseignement supérieur, il nous faut, on essaie de faire ça d'ailleurs à Schema, essayer de donner un grand renfort de culture générale, si vous voulez, aux collaborateurs pour qu'ils puissent appréhender les réalités à 360 degrés. Parce qu'on sent tous aujourd'hui que le travail en silo, qui à un moment donné de l'histoire, là c'est l'historien qui parle, a été très efficace, ça a permis évidemment de rationaliser les choses, on sent tous très bien qu'il atteint un peu ses limites et qu'on a besoin à la fois d'être fort, on pourrait dire que c'est une sorte de structure en T si vous voulez, on a à la fois besoin d'être fort dans son silo et d'avoir une vue à 360. Les entreprises qui savent donner du sens comme ça, qui savent expliquer aux gens spécialistes de leur domaine aussi ce qu'ils font dans le reste de l'entreprise à 360, évidemment elles ont souvent de meilleurs résultats. Donc, vous voyez, agilité, connaissance, culture générale, ouverture, valorisation de l'humain vont devenir des choses extrêmement importantes. Ça explique d'ailleurs que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, je pense à des grandes banques par exemple, qui ont des structures traditionnelles en bureau, eh bien, elles ouvrent d'autres types de locaux. Des très grandes banques françaises ont ouvert des types de locaux, on y rentre, on a l'impression d'être dans un centre commercial, il y a un espace de vie, un espace de détente, des restaurants dans lesquels les gens travaillent, remontent au bureau, eh bien, les lieux sont en train de muter pour permettre justement, vous voyez, ce passage plus agile d'une activité à l'autre, puis peut-être aussi l'aération de l'esprit, qui est important. Voilà, merci Frédéric. C'était une dernière question à laquelle nous avons pu répondre. Elles sont nombreuses. En effet, ce sujet passionne et nous interroge. Il y a par exemple des questions encore sur la stratégie, l'environnement. Nous y répondrons, ne vous inquiétez pas, nous pourrons vous répondre par email à l'issue du webinar. Oui, on pourra vous répondre par email, bien sûr, à un certain nombre de ces questions. Je suis désolé, ça soulève évidemment de très très grandes questions. En tout cas, je suis ravi de vous avoir vu. Je vais laisser la parole donc à Céline Brocard, qui va peut-être vous présenter derrière l'intervention que j'ai faite de manière plus générale l'exécutive online. En tout cas, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. J'espère qu'on a pu peut-être vous apporter, sinon des réponses, parce que vous avez compris que c'est difficile, au moins de poser les bonnes questions. Je vous remercie, très bonne journée. Céline, je crois que je te passe la parole. Oui. Merci Frédéric. Voilà, donc Céline Brocard, j'administre la plateforme School, Schema Open Online Learning. Vous venez donc d'assister à une présentation du parcours L'entreprise face au changement et à la transformation. C'est une des 11 formations 100% à distance que Schema Exécutif propose. Nos parcours se déclinent en trois thématiques, Schema Culture, Schema Management
et schéma leadership et mindfulness. Vous pouvez découvrir le détail de ces 11 formations sur notre site internet Schéma Exécutif dans la rubrique formation courte et certifiante. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque parcours de formation dure 8 semaines. Il faut compter environ 3 heures de temps de connexion par semaine. Grâce à l'interface, vous avez accès à des ressources écrites de qualité proposées par nos professeurs, par les professeurs de Schéma, à des articles et à des vidéos. Et puis, au cours d'une session de formation, des travaux collaboratifs ainsi que des échanges entre les apprenants et avec le professeur, puis un webinar permettent un apprentissage facile et efficace. Dernier point très important, la plupart de nos formations sont certifiantes. Une évaluation finale est réalisée par le professeur référent du parcours afin d'évaluer les acquis. La plateforme est accessible sur votre PC, depuis une tablette ou depuis un téléphone portable, un smartphone. Sachez pour finir que nous pouvons vous donner accès à la chaîne publique de la plateforme School si vous êtes intéressé. Les premiers modules teaser de chaque parcours sont disponibles et vous donneront un aperçu du parcours. Voilà, si vous avez des questions à propos de la plateforme en général ou du contenu de la présentation, encore une fois, vous aurez l'occasion de nous poser vos questions directement sur mon adresse email si vous le souhaitez. Sur la page suivante, il y a mes coordonnées que je vous laisse. Donc, Céline Brocard, mon numéro de téléphone 04 93 95 32 48. Et mon adresse email, céline.brocard@schema.edu. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. Nous répondrons par email aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre au cours de ce webinaire. Merci, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et que ces informations vous ont été utiles. Nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.